Salut, salut. On se retrouve sur Octopath Traveler et on va continuer à vivre notre merveilleuse aventure. La dernière fois, on s'était laissé avec Cyrus qui devait trouver du coup l'ouvrage qui a été disparu depuis 15 ans. Et avant ça, on a du coup une quête sur la map, je vois. On va devoir parler du coup au directeur, si je me trompe pas. Alors, allons parler au directeur. Je suis là. Parfait. ご苦労だった、ルシア君。ご用件は何でしょうか？ サイラス君、私のもとへとある密告があった。密告ですか？君が教師という立場を利用し、王女と男女の中になっているとね。 それで学長はその密告とやらを信じられたんですか？違うというのならそう言いたまえ。もちろん根も葉もないデタラメです。デタラメか。だがそうですかというわけにはいかなくてね。 王族の醜聞など人々にとって格好の話の種だ。ましてや傷者になったかもしれない。メアリー王女のそんな悪評が立つなど絶対にあってはならないことだ。では学長、私の処遇はどうなさるおつもりですか？ そこに苦慮しているのだよ。公に罰を与えるわけにもいくまい。噂。それでしたら追放はいかがでしょう。表向きは調査のため町を出たということにすれば。なるほど。 それは妙案だ。どうだ？これなら君の名誉も守られる。名誉ね。不満かね？いえ、不満はありません。むしろいい機会だと思いまして。 どういうことだ、サイラス君。言った通りです。実は興味を惹かれる謎がありまして、ここにいては調べることができないと考えていたんですよ。なので旅に出ようと思います。15年前に盗まれたという遠国の書を広めたい知識も伝えられないから、 このままここにでも仕方ない。そう、そうか。それで何を調べるつもりなのかね。とある本についてです。それでは旅の準備もありますので失礼いたします。 どこまでも読めない男だ。
先生、王立学院を去る、そうお聞きして。ああ、その通りだ。ごめんなさい。 なるほど。噂の出所は君だったんだね。気づいてらしたのですか？いや、今の君の謝罪で気づいた。ただ、その理由がわからない。どうしてこんな真似をしたのかね。 先生はいつもメアリー殿下ばかり見ているでしょう。私だってもっと。それであの話を。はい、イボン学長に嘘をつきました。 それがまさかこんな大ごとに。本当にごめんなさい。いや、君は気にしなくていい。ちょうど旅に出ようと思っていたからね。いつか外に出て学ぼうと思って。 今回の話はちょうどいい機会だっただけだよ。調べたいこともできたしね。だから君のせいではない。気にやまないでくれ。それに私にも落ち度がある。君の気持ちに私が気づいてあげていれば。 先生、まさか君がそんなにまで勉強熱心だったとは。え？はいはいはい。私は君たちに平等に教えていた。そのつもりだった。だが殿下の熱意に応えたがために間違った印象を与えていたのだな。 だとすれば、確かに私が原因だ。もっと君の勉学への熱意をきちんと受け止めるべきだった。Il est marrant, j'aime bien. Je vais le dire encore une fois, mais la musique est incroyable. Les graphismes sont incroyables, tout est incroyable. J'aime trop. Alors, juste un truc que j'ai remarqué, c'est que Octopus, Octopus Traveler. Elle est bien, mais elle est un peu trop forte.
Ok. La voix des persos était un peu trop faible, je trouve. Du coup, on a arrangé ça. Parfait. Du coup, on va partir en voyage avec... avec Cyrus. Parfait. Alors, on va scruter. Voyons voir. Âge 33. Après la grande peste de Ruisland, cet apothicaire a décidé de se consacrer à la prévention des maladies et à leur traitement. Il travaille désormais à Digdin avec l'Académie Royale pour élaborer de nouveaux remèdes et de nouvelles formes de traitement. Ok. Alors, les habitants de cette ville se laissent guider par plus volontiers. Ok. Ouf, il y a plein de gens. Comment on fait pour descendre? Ok. Voyons voir ce qu'il nous dit, lui. Alors, âge 8. Débordant de curiosité, ce jeune homme ne recule de rien pour assouvir sa soif d'apprendre. Même si cela doit s'avérer dangereux. Bien que son tempérament imprudent inquiète souvent ceux qui l'entourent, les objets rares et précieux qu'il rapporte souvent de ses aventures lui ont valu l'estime de ses amis. Ok. Alors, le troc malin. Alors. Oh, trop cool. On va faire sur tout le monde en fait ça. Du coup, on peut avoir des réductions sur les objets grâce à ça. D'abord, on va lui parler d'abord. Ok. Alors, âge 10. Ok, ami d'enfance du garnement téméraire qui se tient à ses côtés. Étant son aîné de 2 ans, elle a été chargée de veiller sur lui. Malgré la curiosité insatiable du jeune garçon qui lui fait parfois courir de graves dangers, elle prend ce rôle très au sérieux et affronte courageusement toutes les difficultés qui se présentent à elle. Ok. Alors, un objet caché. Un nouveau trésor se cache quelque part. Ah! Ok. C'est quoi ça? C'est pour les potions, ça, j'imagine? Officine. Je sais pas ce que c'est une officine. Bon. On verra plus tard. Alors, on a le. Je veux pas partir. Non! Non, reviens. Oh. Ok. Alors, c'est ainsi que Cyrus quitta l'académie à la recherche du livre perdu, au fin fond de l'enfer. Quel sombre secret refermait-il dans ses pages? Les dieux seuls le savaient. Le truc, c'est que je vais revenir en fait. J'espère pouvoir revenir. Ok. Revenons. Avoir quelques gold sur moi ou la monnaie du jeu, je sais pas comment on l'appelle, et j'ai toujours pas scruté ces personnes là. Du coup, j'ai 3000 d'argent scruté. Alors, âge 22, cet éleveur de vaches apporte du lait frais à ses parents tous les matins. Ces derniers s'inquiètent cependant de le voir consacrer sa vie à un travail aussi solitaire. Ok, cool. Alors, Ristone à l'auberge. Oh, cool. Ok, à lui. En gros, à chaque fois qu'on fait à chaque fois qu'on scrute quelqu'un, ça donne des bonus autour de lui. C'est cool. Donc du coup, j'imagine que le trésor qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut avoir, il est dans la ville. Alors. Alors, on a vente de nouvelles armes. Ok, cool. Ah, lui. Je pense que c'est une quête, ça, du coup.
On va d'abord scruter tout le monde. On va pas tous les faire. Parce que sinon ça va durer trop de temps. On va juste les scruter. Ouf, 80%. Allez. Ok, il a rien. Rien non plus. Rien non plus. Ok, donc les... On va voir ce que disent eux là. Alors, je me nomme Terracio, je travaille en tant qu'enseignant à l'Académie Royale. Et je suis actuellement aux prises avec des usuriers sans scrupules. Bien que j'ai remboursé la dette de mes parents, dans son intégralité, ils prétendent qu'ils auraient des intérêts à payer. Alors. Ok. Donc, ok. On va le scruter d'abord. Ok. Une quête ici. Et lui, c'est qui lui? Non. Voulez-vous que je vous dise un secret? Figurez-vous qu'on m'a demandé de cuisiner pour le roi en personne. Ok, donc lui il a besoin d'ingrédients. Du lait, du crabe, des œufs. Ok. On va prendre toutes les quêtes, hein, bien sûr. Ok, y a rien vraiment qui est intéressant. Ok. Oh. Pierre de lumière M. Alors, du coup, les armes, c'est ici. Ok. Et les armures, c'est au même endroit, j'imagine. On va voir. Armurerie, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bâton de quartz. Chapeau pointu. Diadème. Une paire de l'attaque alimentaire. On gagne des pétés. Déjà, on va prendre le bâton. La baguette. Ok. On l'équipe, bien sûr. Alors. On a quoi d'autre? Ça, ça donne de tout. Ça aussi, ça donne de tout. On va prendre le diadème. On n'a plus d'argent. Parfait. Est-ce qu'on peut vendre nos équipements du coup? Vieille pièce peut se vendre dans les boutiques. Parfait. Le bâton de base. Et le chapeau ordinaire. Et j'ai déjà les habits du vent, du coup on va vendre la robe. Parfait. Est-ce qu'on peut acheter un truc en plus du coup avec cet argent? Non. PV max plus 50. Pourquoi pas en vrai? Est-ce que d'autres. PT max plus 10. On va prendre. Les PV max plus 50 parce que. On n'a pas beaucoup de PV. Ok, parfait. Enfin, on l'a pas équipé en fait là. Ok, c'est bon. On peut mettre plusieurs accessoires. Donc on va du coup. On va en acheter un deuxième du coup. Équipement. Parfait. On va se reposer du coup à l'auberge. Alors, est-ce qu'on peut scruter lui?
Ok, ils ont pas grand chose en fait. Donc, on va aller à l'auberge. Non. C'est ça l'auberge. 6 gold. Ok, parfait. On va sauvegarder et on va partir du coup pour l'aventure. Let's go. Donc c'était où qu'on devait aller en premier? Alors, voyons voir. Journal. On doit aller à Crosspeak. Donc Crosspeak. Alors c'est où? Littoral. Plaine. C'est le terre. C'était à Belvédère si je me trompe bien. Ah c'est là-bas Crosspeak du coup. Et donc sur le chemin on peut. Nous on est ici. Sur le chemin on peut avoir. On peut rencontrer du coup Ophelia, Hanit, Therion, Alphine. Donc j'aurais aimé avoir Tressa, mais elle est un peu loin. Est-ce qu'on peut aller par là en vrai? Je pense qu'on peut aller par là. Hein. Je vais essayer d'aller par le bas pour voir. Allez, on est parti. C'est vrai qu'on a des quêtes secondaires aussi. Alors, les quêtes secondaires. Journal. Comment on fait? Non. État. Je sais pas comment avoir les quêtes secondaires. Divers. Initiation. Récit annexe. Ah, c'est ça, c'est ici. Alors. Ingrédients. On est parti pour l'aventure. Alors. Oh. Ah non. Ah bah lui on l'avait déjà vu dans le dans la partie sur Hanit. Alors, un monstre m'a attaqué et m'a blessé à la jambe, j'arrive à peine à poser le pied par terre. Ça embête de vous demander ça, mais n'aurait pas à vous du raisin curatif pour mentionner ma blessure. On va lui donner. Oui. Ah ça va mieux. Merci, je vais devoir. Pouvoir marcher sans avoir trop mal. Ok, je vous remercie, vous m'avez retiré une sacrée épine du pied. Ok, je m'appelle Kit. J'ai pris la route dans le but de retrouver mon père qui a disparu quand j'étais enfant. La même chose que la dernière fois. Vous êtes en voyage vous aussi. On se verra peut-être au détour d'un chemin. Ok, parfait. On l'avait déjà vu lui, hein. On a obtenu de l'argent. Parfait. Regardez. Parfait. Donc là, on va aller vers le bas. On avait prévu d'aller vers le bas. On va aller vers le bas. Premier combat. Contre un. Voilà. Contre un Croan des plaines. Ok. Donc lui, je pense qu'il doit être faible contre l'électricité, du coup. Non. Non. Attaque. Est-ce qu'il serait pas faible contre juste l'attaque de base? De toute façon, je voulais pas fuir. Hein. Non. Pas l'attaque de base non plus. On va faire une boule de feu alors. Boule de feu.
Non plus. Et donc l'attaque de glace. Ok, donc il est faible contre attaque de glace. Ça me va. Alors. Incroyable. Bon, le problème c'est que j'ai perdu beaucoup trop de... Bon, c'est pas grave, j'ai l'XP. Ça devrait aller. Ok, donc là il doit avoir un coffre, parfait. 500 d'argent. Alors. Ok, faible contre les arcs. On va faire de l'éclair. Ok, il est faible contre le bâton. Alors, est-ce qu'on a un bateau pour aller de l'autre côté? Déjà, on a un coffre ici. Avec une noix fortifiante. Allez. Alors, qui sont-ils? Alors, eux, ils volent. Je vais faire de l'électricité pour voir. Parfait. Parfait. Heureusement que j'ai joué à Pokémon. Alors. Un coffre. Oh. Une grotte là-bas. Ok, on a assez. Parfait. Alors. On va prendre un item pour récupérer nos PT. Parfait. Alors, voyons. Donc là, il y a la grotte. On va aller voir la grotte en premier. Donc c'est le feu. C'est notre faiblesse. Boule de feu. Parfait. Voyons voir ce qu'il y a dans la grotte. C'est pas une grotte. Je me suis à voir. Par contre, on peut aller ici. Littoral. Alors attends. On n'est pas par hasard de l'autre côté là déjà. Ah si, on est passé de l'autre côté, je pense. Si, on est bien passé de l'autre côté. Mais du coup, on a... Encore lui. Sate,
Parfait. Je vais peut-être aller dans l'auberge de la ville avant de repartir pour vérifier ce qu'il y a en haut. Allons dans la ville. Et donc on aura Tressa. Comme je le voulais. Enfin j'imagine, vu qu'on va faire son histoire. Alors, allons-lui. Alors, Raderemu n'est pas le plus grand port du royaume, mais c'est un endroit animé. Ok. Non. On va éviter pour l'instant, du coup. C'est où l'auberge? Je veux l'auberge. Ici. 12 d'argent. C'était 6 de l'autre côté. C'est parce que j'avais réussi à scruter, je pense. Alors, parlons du coup à... Comment on fait pour aller le voir, lui? Ok, je ne sais pas. Comment on voit les affaires? Allez. Un objet caché. Cool. Alors, l'objet caché doit être quelque part. Mais d'abord, je vais aller voir derrière. Par ici, je pense. Par ici, alors. Un objet caché aussi. Ok, allons parler du coup à Tressa en premier. Ok. Alors je pense qu'on va sauvegarder ici. Et on va commencer du coup la partie avec Tressa du coup pour la prochaine vidéo. Alors, où est le point de sauvegarde? Je ne sais pas. Donnez-moi un point de sauvegarde s'il vous plaît. Ah, il y a un coffre ici. Je finis de pas le voir. Alors, ah, j'ai eu un objet ici. Faut que j'oublie. Pierre d'élocution. Ok. Et un objet ici. Alors, restons dans l'auberge. Cool. Ok. Donc, je vais sauvegarder ici. Et du coup, la partie avec Tressa sera donc du coup dans la prochaine vidéo. J'ai hâte. Ce jeu est vraiment cool. J'ai vraiment hâte. Du coup, on se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo pour Tressa. A plus.